La saison des pluies a débuté en mai dans le camp de Yida. Nous sommes en juillet et les averses sont désormais quasi quotidiennes. Pour ces familles qui ont fui la guerre au Soudan, cela signifie que leurs conditions de vie dans le camp vont s'aggraver. Les pluies devraient durer jusqu'au mois de novembre. En 2012, durant cette même période, les mauvaises conditions d'hygiène ont entraîné la propagation de maladies infectieuses. Le taux de mortalité des jeunes enfants a largement dépassé le seuil d'urgence. L'année dernière, les diarrhées, le paludisme et les infections respiratoires aiguës étaient les principales causes de mortalité. Afin d'éviter que ces maladies ne se propagent dans le camp, MSF a lancé cette année un programme d'eau et d'assainissement et en ce moment, nous faisons une campagne de vaccination visant à prévenir principalement, mais pas seulement, les infections des voies respiratoires. Pour cette campagne, MSF a choisi le vaccin conjugué contre le pneumocoque. C'est la première fois qu'il est utilisé dans un contexte si précaire. Trois séries d'injections sur une période de 3 mois devraient permettre de vacciner 5000 enfants de moins de 2 ans. La difficulté réside dans l'organisation de cette campagne en pleine saison des pluies. L'approvisionnement a été retardé par de longues négociations auprès des laboratoires pour obtenir le vaccin à un prix abordable. Un retard qui a poussé MSF à lancer l'alerte. L'accès aux nouveaux vaccins pour les enfants en situation de crise doit être amélioré. Sébastien vit à Benzambé, au nord de la capitale Bangui. Comme beaucoup, il a fui les violences qui frappent le pays depuis plusieurs mois déjà. De retour chez lui, il constate les dégâts. Ces derniers temps, pendant les combats, les rebelles sont venus dans notre village et nous nous sommes enfuis. Pendant qu'on se cachait dans la forêt, l'hôpital a été pillé et tous les médicaments ont été volés. Maintenant, nous n'avons nulle part où aller quand nous sommes malades. Ce jour-là, une équipe MSF est de passage. Sébastien, qui pense avoir le paludisme, va se faire tester. Le test est positif, vous avez le palu. À cause de la violence qui a touché ce village, le peu qui était disponible, le peu de personnel qui était là s'est enfui. Et maintenant, il n'y a plus aucun système de soins. C'est pour ça que nous avons choisi de venir ici, d'organiser une clinique mobile aujourd'hui. Le paludisme n'est pas la seule menace qui pèse sur la population. La situation nutritionnelle se dégrade, les antirétroviraux ne sont plus disponibles. Quelques exemples parmi tant d'autres, qui ont conduit MSF et 4 autres ONG à dénoncer l'abandon humanitaire et sanitaire du pays par les Nations Unies et par les bailleurs de fonds. Un abandon qui ne peut qu'aggraver une crise déjà alarmante. Dans le centre de rétention de Sana, Awel, éthiopien, raconte son histoire. Sans emploi, il a décidé de tenter sa chance en Arabie Saoudite. Son chemin le mène à travers le Somaliland et Djibouti jusqu'au Yémen. Là, il est fait prisonnier et est torturé par des trafiquants avant de réussir à s'enfuir. Ils m'ont pris et devant les autres qui étaient là, ils ont commencé à me torturer. Ils m'ont dit de téléphoner pour leur trouver de l'argent. Le même soir, ils m'ont pendu au toit par les doigts. C'était vraiment très très douloureux. Racketté, torturé, parfois même violé, la plupart de ces hommes ont vécu le même calvaire. Ceux qui ont été libérés en avril par les autorités ont déjà été rapatriés dans leur pays d'origine. Un mouvement qui a encouragé de nombreux autres migrants, livrés à eux-mêmes, à quitter le pays. Ils ont rejoint le centre de rétention de Sana, qui s'est rapidement retrouvé surpeuplé. MSF y a commencé un programme de soins psychologiques. Ils s'inquiètent de l'avenir, ils ne savent pas ce qu'il va leur arriver, ils ne savent pas quand ils seront rapatriés. Ces incertitudes sont une source d'angoisse. La plupart d'entre eux n'ont pas d'argent, car ils ont tout dépensé pendant le voyage. Et maintenant, ils s'inquiètent de savoir ce qu'ils feront quand ils seront de retour chez eux. 4000 migrants ont déjà été rapatriés vers leur pays d'origine depuis le mois d'avril. Mais les autorités estiment à 30 000 le nombre d'Éthiopiens qui sont en train de tenter leur chance le long de la frontière avec l'Arabie Saoudite, toujours à la merci des trafiquants.
Fin juin, à Gaza, une trentaine de médecins sont rassemblés à l'hôpital Al-Shifa. Puisqu'ils peuvent difficilement quitter la bande de Gaza, MSF a décidé d'organiser des formations sur place. Il s'agit cette fois de 3 jours consacrés aux soins intensifs. La discipline des soins intensifs évolue rapidement partout dans le monde. Et c'est pour ça que cette formation a lieu dans le monde entier. Je pense qu'elle va changer de beaucoup la pratique des soins intensifs à Gaza. L'objectif est d'apprendre à intervenir le plus efficacement possible pendant les premières 24 heures de l'admission d'un patient gravement malade. Cette formation, validée par un diplôme de l'université de Hong Kong, est reconnue par les grandes institutions de santé. J'espère que cette formation aura lieu régulièrement à Gaza, parce qu'elle va faire beaucoup pour les soins, la guérison des patients et pour la pratique des soins intensifs en général. Les besoins en formation se situent aussi sur le long terme. À l'hôpital Nasser de Khan Younes, une infirmière MSF spécialisée en réanimation et chaque jour aux côtés du personnel. Un programme de formation dit « au lit du patient » afin d'offrir des soins adaptés aux besoins de la population gazaouite. Dépister et traiter les personnes séropositives nécessite plusieurs tests. Des tests compliqués qui doivent généralement être réalisés dans les laboratoires des grandes villes. Cette distance ralentit et complique la prise en charge des patients. Pour éviter cela, l'équipe MSF de Shiradzulu équipe les centres de santé en tests adaptés aux conditions du terrain. Une nouvelle machine Samba vient d'arriver. Elle sera installée dans 2 centres et permettra de mesurer la quantité de virus dans le sang d'une personne séropositive. Pour nous, avoir Samba en centre de santé, c'est extrêmement important puisque ça nous permettra de vérifier l'efficacité du traitement des patients VIH et le cas échéant de vérifier le diagnostic d'échec. Et jusqu'à présent, c'était des gros labos qui étaient régionaux ou nationaux qui pouvaient faire ce genre de tests. Et bien souvent, les résultats se perdent. De toute façon, même ces gros labos ont des capacités limitées. Donc pour nous, c'est important que Samba puisse être dans le centre de santé, en fait, là où le patient est. Autre composante de la lutte contre le VIH, la prévention. Des études récentes ont montré l'efficacité de la circoncision pour prévenir la contamination. Les recherches ont montré que sur 100 hommes circoncis, si la circoncision est faite correctement, 60 hommes seront protégés. MSF soutient donc, par des donations de kits, les efforts en ce sens. Ici, des volontaires assistent à une réunion d'information. Ceux qui le souhaitent peuvent ensuite se faire opérer.